J'ai jamais rien fait en réfléchissant à, ni aux conséquences, ni à ce que je vais gagner, ni à ce que je vais perdre dans l'histoire. C'était devenu vraiment beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort. Je me suis dit que c'était un peu plus fort. Et là, il y a un peu plus fort. Je suis dit que c'était un peu plus fort. Je suis dit que c'était un peu plus fort. Je suis dit que c'était un peu plus fort. Je suis dit Le podcast Underground Libre sur le web Le boulevard vient de se terminer et c'est bien plus qu'un simple festival. C'est à la fois un événement alternatif, un acte militant, une identité culturelle et une famille artistique. Mohamed Mrari, alias Momo du boulevard, nous raconte comment tout ça a commencé à la fin des années 90. Je suis né en 1972 à Casablanca, à La Folle plus précisément, les années 70 à Gauthier, des années 80 à Gauthier, des années 90 à Gauthier, donc à MDL, Gauthier. La Folle c'était bien, parce que qu'à l'époque, il y avait le cinéma, il y avait un, le ciné enfant tous les mercredis après-midi, il y avait tout Casablanca qui venait. Après, il y avait la bibliothèque, il y avait 17 000 livres sur la bibliothèque, il y avait le ciné-club les lundis et les jeudis, et il y avait euh, plusieurs troupes de théâtre, surtout du boulevard à l'époque. Et du coup, bah, pendant les années 80, c'était de super belles années parce que j'avais accès à la bibliothèque tout le temps. Il y avait co une collection de BD monstrueuses, il y avait des encyclopédies dans tout l'univers, les anciens connaissent un peu ça. Euh, il y avait les, la bibliothèque rose la bibliothèque verte, et après, il y, avait, enfin, il y avait énormément de romans aussi, ou des, des livres comme ça. Donc, euh, et je squattais la bibliothèque, il y avait un canapé. Bah, souvent la nuit, j'étais là-bas. Parce que on avait, mon père avait un logement de fonction. À la folle et, et du coup j'ai grandi là-dedans. Donc euh, mon père faisait un peu tout. Il, il faisait de les décors des, des pièces de théâtre, il faisait de la régie aussi. L'éclairage à l'époque c'était une cabine en haut à gauche de la scène. Je me rappelle bien les, la lumière c'était de, de gros boutons, donc il fallait appuyer par boutons les trucs programmés. Tout ça ça n'existait pas à l'époque encore. Donc c'était très physique comme, comme métier. Et après bon il faisait un peu de tout aussi à la folle. Il y avait de la danse aussi, il y avait, enfin, il y avait beaucoup de choses. Donc euh, tous les classiques il y a le théâtre. Et tous les chefs-d'œuvre du cinéma et j'ai lu pas mal de livres aussi donc en euh, au fait c'est ce qui a fait ma ma formation parce que à l'école j'apprenais pas grand chose j'avais l'impression déjà d'avoir ou tout lu ou tout vu ou, euh, donc je me faisais beaucoup chier à l'école bon, j'ai réussi à arriver au bac mais après bon je me suis barré je n'ai même pas passé le bac je me suis dit là le voir il est mort en 94 mars 94 et et du coup bah c'est on m'a proposé de prendre sa place je connaissais très bien la maison d'ailleurs ils y gagnaient aussi donc moi j'allais partir à ce moment-là j'allais partir en Italie et finalement je suis resté j'ai accepté de prendre sa place et, et depuis 94 jusqu'à 2006, le 2007, à Ce qu'il faut savoir, c'est déjà avant la mort de mon père, moi, je, je, je faisais beaucoup de, de jobs enfin, l'été et, et pendant, les, les, enfin, pendant les vacances, les week-ends. Je travaillais pas mal avec des, des sonorisateurs, des éclairagistes à l'époque, comme ça qu'on qu les appelait. Donc j'avais plein de potes qui avaient des petites boîtes de, de sang. Donc euh, les week-ends, je travaillais dans les hôtels, je travaillais dans des soirées privées, des choses comme ça. Bon, il fallait les charger, décharger les, les camions. Tu vois, et j'ai commencé à toucher un peu à, à, au sang et à l'éclairage à ce moment-là. Et euh, du coup, bah, c'est tout naturellement que voilà, donc on a essayé de développer aussi beaucoup de choses à la folle. Parce que euh, d'ailleurs les concerts, les premiers concerts, ça a commencé euh, comme ça. C'est-à-dire, c'est des groupes que je connaissais ou que connaissait Hicham À l'époque, il est arrivé après Hicham en 99. Et euh, on a commencé à, à acheter du matériel, à investir un petit peu dans le matériel, à investir un peu de, dans la lumière. Après, on a refait carrément toute la machinerie de la scène les passerelles, les rideaux, l'éclairage, on a tout refait. Et, et du coup, bah, ça nous a permis de développer aussi, le, en plus du théâtre, c'est-à-dire on avait quand même cinq troupes de théâtre à la, à la, à la fois à l'époque. En plus des troupes de théâtre, on a développé les concerts et on a développé les ateliers pour enfants. Il n'y en avait pas à l'époque, donc du coup. Et on a développé les, les, les cours de danse, de chant, de travaux manuels, de guitare, de piano. De, enfin, il y avait un peu de tout, de cirque. Et voilà, donc du coup, on avait à peu près 1000 enfants par semaine qui venaient prendre des cours à la fois. C'était presque le seul endroit à l'époque. Et bon, après, c'est devenu à la mode et les gens ont vu qu'il y avait de l'argent à gagner là-dedans. Donc, il euh, y en a plein qui ont ouvert après. Mais euh, voilà. Donc, et après, les concerts, c'était comme ça aussi. Le petit concert au début et doucement, doucement. Bah, Jusqu'en 1999, on a fait le, le, le premier tremplin. Et le problème, euh, à l'époque, déjà, c'est qu'il n'y avait aucune salle, on voulait les programmer, programmer les groupes. Ces styles musicaux-là, encore moins. Et il y avait un vrai problème d'espace de répétition. Donc, euh, c'était la priorité, si on veut. C'est-à-dire, trouver des petits espaces pour que les, les groupes puissent répéter. On a acheté même du matériel à l'époque, je me rappelle. On avait acheté une batterie. C'était la première batterie qu'on qu avait achetée. Et bon, Adil Hanil l'a massacré entre, <laughs> entre autres. <laughs> C'est grâce à cette batterie que <laughs> moi, et m'est enfin, La priorité, ça a toujours été les répétitions. J'ai jamais rien fait en réfléchissant à... à ni aux conséquences, ni à ce que je vais gagner, ni à ce que je vais perdre dans l'histoire. Quand quelqu'un me demande quelque chose, le premier truc, c'est de dire oui. Quoi. Donc, je, je ne sais pas dire non. C'est un défaut, une qualité, je ne sais pas encore. Oui, si un groupe me, donne, me demande un espace, oui, je lui donne. Si je l'ai, oui, je lui donne. C'est le premier réflexe, c'est de donner. Et de ne rien attendre, surtout. Et ça, c'est une bonne chose aussi, de ne rien attendre. Parce que souvent, ils n'ont rien à donner. Et c'est pour ça aussi que même quand, après, quand on est arrivé au Boultec, le premier truc c'était les studios de répétition, c'était ça la priorité. On avait déjà commencé à organiser des petits concerts en 98, 97 et tout ça. Et, euh, et à l'époque, il y a un Français, le directeur, Dominique Triandafilo. On était posé dans son bureau. Et oui, ça serait bien d'organiser de, de, des événements ou des trucs comme ça. Euh, bah, du coup, on s'est dit, ça bah, serait bien qu'on fasse une sorte de festival. Ouais. Quelques jours après, il y a Mustafa Rabih qui est arrivé, qui était à l'époque en licence d'animation culturelle. Et euh, du coup, bah, il, il est rentré aussi au bureau. Il j'ai un projet de tremplin. Et nous aussi, on est en train de préparer un truc. Et du coup, quelques jours après, il y a Hicham qui est arrivé, qui était étudiant à ComSup. Tiens, où est-ce si, voulait s'investir un peu dans l'association ou dans, dans, les, dans le culturel? Et du coup, bah, on a commencé comme ça. Le premier tremplin, c'était comme ça. On était quatre dessus. Euh, Mustafa Rabih a disparu quelques jours avant que ça commence. On l'a revu l'année d'après. <laughs> il avait déposé le nom. Mais bon, c'est <laughs> une autre histoire. <laughs> ouais. Bon, on l'a fait avec le premier tremplin. Il y avait, je crois, euh, Malek Jury. Il y avait Jock. Je sais pas s'il y était Joke. Il y avait euh, Nadia Larguette. Parce qu'elle faisait, les, les, à l'époque, l'émission d'Yala. Alphachantract ou là. Je me rappelle plus comment ça s'appelait à l'époque. Euh, je me rappelle plus qui encore. Bon, quelques personnes dans le jury. Il y avait tout style confondu. Deux jours, douze groupes. Et euh, ça partait d'un trio de lutte, euh, un groupe de rock. Enfin, euh, il y avait Total Eclipse, Orion, Dustin Bonds pour, pour pour les anciens. Et du coup, ben, voilà, c'était la première édition. On n'avait pas beaucoup de public. Avait, avait, c'était mignon, quoi. C'était vraiment mignon. Mais, mais sans prétention, c'était petit tremplin, on savait. Mais la deuxième édition, là, on a commencé à poser le concept avec Isham. Là, il y avait plus, il y avait que moi et Isham à, à ce moment-là. Et on s'est dit, bon, ça serait bien quand même, parce qu'il y avait une grande demande des groupes de hip-hop aussi. Et les groupes de rock, il y en avait de plus en plus. Donc, euh, on, on s'est dit, bon, ça serait bien d'organiser un truc sur trois jours avec trois styles différents, chaque jour, euh, son public, quoi. Comme ça, on mélange pas les, les publics. Et, et c'est là que c'est né un peu ce concept-là de, de trois jours, trois styles. Et, Jusqu'à aujourd'hui pratiquement, ça a duré, duré jusqu'à aujourd'hui. Depuis toujours, vendredi c'est la journée hip-hop, le samedi c'est le, le, le rock, rock-hard-rock, et, rock, hard rock. et là, le troisième jour c'est ce qu'on appelle la fusion, qui est un, un gros fourre-tout un peu, on met tout dedans. Quoi. À partir de la deuxième, ça a explosé, ça y est déjà, est, on a fait le plein. Par contre, à partir de la troisième, c'était un peu trop. Mais ça a commencé déjà sur certains concerts de métal, à avoir énormément de monde. Et à la salle est petite. C'était une, une jauge de 400 personnes assises. On virait les sièges et tout. Bon, C'est pas bien pour les assurances, mais on rentrait des fois 800 personnes, même plus. Mais c'était hyper dangereux, ce qu'on a fait. On est très vite surpris par l'ampleur que ça a pris, parce qu'il y, y, y avait trop de... y avait des concerts où il y avait trois fois plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais on savait qu'il y avait une, une, un besoin, il y avait une attente. On le voyait, parce que les concerts que, de rock qui se faisait à l'époque complexe Youssef, là où il y a la préfecture de Youssef aujourd'hui, bah, c'était blindé partout où il y avait des petits concerts de, de métal c'était toujours blindé donc il y avait une, un besoin donc euh, on a répondu à un besoin en fait. La troisième édition c'était c'était méchant surtout le, la journée métal il y avait trop de monde et en plus on comment s'y attendait pas les, les il y avait, on avait demandé un, un service payé de ce qu'on appelle on appelle ça un service payé de la police à dire On demande deux flics, trois flics, dix flics et on les paye et, et ils sont là. Le problème, c'est que nous, on en a demandé deux. Et les deux, quand ils ont vu le monde qu'il y avait, ils se sont cachés. Quoi. Donc, à la fin, c'était eux qui appelaient les autres flics avec leur portable, leur propre portable. C'était impressionnant, impressionnant. On a cru qu'on allait avoir des morts. Et d'ailleurs, on a annulé une journée. La journée rock, on l'a annulé, on a fait le lendemain. Parce que justement, ça, ça devenait hyper dangereux. Ils, nous ont, ils ont cassé la vitre. Déjà, la deuxième édition, ils ont cassé la vitre la folle. La troisième édition, de la folle. Donc au bout d'un moment, on en a marre de changer les vitres. Il fallait trouver un espace où il n'y a pas de vitres. L'autre jour, j'étais avec Hicham dans une banque, des le, le, le caissier, chef il nous a dit, Trari, à un moment, il y avait une ville à côté, ils l'ont rasé, il y avait, ils ont creusé les fondements. Et, euh, et les gars, ils passaient dans les, la fosse et ils remontaient escaladaient le escaladaient le truc pour passer dans le, derrière la scène. Et, euh, et ce mec-là, il y avait des des Et ça arrivait de partout, en fait. Il y a ceux qui passaient par le toit. Je ne me rappelle même plus comment ils faisaient. Et on, plein de fois, on voyait les gens descendre sur scène directement par, par, par le toit le problème c'était pas c'était pas très cher on avait des, je crois que c'était cher de un un truc comme ça mais bon il y en avait plein qui ne les avaient pas donc on en faisait rentrer quand même toujours quand le concert commence on a toujours fait rentrer tout le monde donc mais bon mais il y en avait qui n'avaient pas la patience d'attendre donc euh, ça sautait de partout et il y avait beaucoup de flics en civil qui étaient là on les voyait on les on les, on, on, à la fin, on les connaissait un peu et ils prenaient des notes tout le temps Dans tous les concerts pratiquement même le débat, il, il, il prenait des notes pour, le, pour chaque truc. Et et après, on avait un peu le parapluie de la France, les aimés Abinoubin. Mais je pense que ça ne s'approche pas trop de la folle parce que voilà, c'est la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, c'est une association qui est là depuis 60 ans au Le Je ne donc faut pas non plus minimiser le, cet effet-là. Je pense que c'est plus ça qui nous a protégés un petit peu pour qu'on fasse ce qu'on a fait tranquillement. Ouais, sponsor, la première année, c'était marrant la première année, la deuxième année. Je crois qu'on a eu chez 10 000 dirhams de sponsoring. Là, on a eu Dvorak qui nous a donné des enceintes. Copy Center Victoria, il nous a fait des photocopies. Est-ce que la troisième année qu'on a eu 60 000 balles. Frère, <Ouais>, C'est <'était... rire> pour les loges. C'est <laughs> sponsor <officiels. rire> Non, au début, j'imaginais pas que ça allait grandir comme ça. Je... Loin de là. Bon, D'ailleurs, même dans la durée, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. J'imagine, ça fait 20 ans. Des, des 18e édition, parce qu'on l'a pas fait deux fois, mais c'est la 20e année. On était obligé de sortir. De toute façon, à un moment ou à un autre, il fallait sortir. Parce que refaire encore une édition où on recasse les vitres, il va y avoir des gens qui vont être frustrés parce qu'ils sont... Ils ne peuvent pas rentrer. Il fallait trouver un espace plus grand, et d'où l'idée du coq. Je sais pas pour et le coq parce que on avait une association aussi à la folle qui s'appelle l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, qui organise les rencontres sportives dans des avec euh, des écoles de la mission. Et du coup, bah, on faisait pas mal de rencontres sportives au coq. Et comme j'y allais tout le temps, bah, je me suis dit, bah, ici, c'est bien. <laughs> du coup, bah, on l'a fait au coq. Et ouais, quatrième édition, très belle année d'ailleurs, très riche. <laughs> Entre Drel qui, qui était en prison et les attentats et le boulevard, le Xija, poum, poum, poum 2003. Ouais. <laughs> en, en 20 ans, de toute façon, on a eu droit à, à, à la violence du public, on a eu droit à la violence des, 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 des artistes, on a eu droit. Il y a plein de choses qui, qui auraient pu nous dégoûter et, et, et tout arrêter. Mais, mais je pense pas. À la fin d'un concert, quand tu as un gamin qui vient qui te dit merci, avec le sourire, ouais, ce gamin-là, il n'a pas le droit de. de... C'est à cause de connards qui vont foutre le bordel, ou on va priver avec même tout seul, gamin Il y en a des centaines, des milliers qui sont là juste pour écouter de la musique. Dès que je dis de la punition collective, j'aime ai... pas. Et c'est pareil pour les groupes, c'est pas parce que Wahid Hamar nous insulte ou il nous manque de respect, ou les. Quoi Et des autres il y a tous les autres, il y a tous les autres qui sont bien, qui sont sympas, qui sont gentils, qui, sont, qui, qui comprennent un peu ce qu'on fait pour eux, parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Pas, euh, nous, là, moi j'ai ni envie d'être riche ni envie d'être célèbre. Dans l'absolu, je pourrais rester chez moi tranquille. Mais, mais voilà, c'est pour, pour les gamins. Hein, et ça, c'est... C'est un bon moteur, c'est un bon carburant quoi, pour avancer. Au fait, euh, le, le, le passage d'une salle où on était plus ou moins protégé, à l'abri un peu, même matériellement, ça veut dire on a la salle, on a le sang, on a à peu près tout, quoi, il ne manquait pas grand chose. Euh, Passer à, à une autre dimension, là, on, on, on a commencé à apprendre le métier, quoi, grosso modo, parce que tu vois, être finalement. Aucun de nous on a organisé de festivals en plein air. ou le, le, Donc du coup, il fallait apprendre le métier. Ça, monter une scène, euh, d'où va arriver l'électricité, des trucs. Quoi, avant, on ne se posait pas comme question, des questions comme ça. Mais, mais là, il fallait apprendre le métier. Et on, on l'a appris sur le tas, quoi. comme tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas d'école pour apprendre ce genre de trucs. C'est sur le tas. Et c'est ce qui fait un peu notre force aujourd'hui. C'est-à-dire, il on, n'y on a, a pas un directeur technique qui, qui, qui peut se foutre de notre gueule ou la, ou un prestataire qui peut se foutre de notre gueule. On, on connaît les prix depuis 20 ans. On a vu l'évolution des prix, on a vu l'évolution du matériel, on a vu l'évolution de plein de choses. Donc, du coup, ben, 2004, c'était le premier gros concert. C'était Gnao Diffusion. C'était Ouais, on est arrivé au SEMNA. je <laughs> Diffusion. C'était la première fois où on a, on a fait presque le plein du, 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 du coq. Quoi. Et du coup, ben, on s'est dit Merde, c'est. Et c'est une montée d'adrénaline c'est assez, assez sympa, quoi. Donc. Euh... Ça motive à en ramener d'autres. Et du coup, ben, les années d'après, on en a ramené encore plus et on a eu beaucoup plus de monde. Ce qui était chiant, ce qu'on retient un peu, c'est que le manque de coopération des autorités, mais un manque de coopération total. C'est-à-dire, ils étaient là, c'était plus pour foutre la merde, presque, que, que plus que de, de, de filer un coup de main ou d'aider à bien organiser les choses. Ils nous bloquaient l'entrée, ils laissaient les gens se, se, se tasser devant l'entrée juste pour pouvoir... Ben, ramasser un peu de fric et passer, le premier qui paye, il passe, le celui qui paye pas, il passe pas, enfin bref. Donc du coup, ils nous ont créé énormément de problèmes. Donc les gens, ils rentraient, ils étaient déjà tendus avec énormément d'électricité dans l'air. Et du coup, bah, ça partait en cacahuète, euh, au moindre... Après, on a eu deux années d'affilée, on a eu le public du Raja qui a fini le match, qui a déboulé. <laughs> Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il euh, y a plein de choses. Et c'est ce qui a un peu sali un peu la réputation un peu du boulevard. C'est des moments comme ça où les gens se, se sont sentis agressés. Et il y, y a eu des agressions, il faut le dire. Et il fallait attendre un peu quelques années pour, pour que ces histoires-là se tassent, que le public revienne tranquillement. J'aime bien aller aussi dans le public. Mais j'aime bien regarder le public aussi. <laughs> Donc des fois, c'est pas mal d'être en haut et de. pas de dominer, bien sûr, mais juste de. de, de regarder la réaction des gens. C'est très sympa. Quoi. On sent l'énergie qui est a C'est hallucinant, mais c'est. c'est mystique presque. C'est presque mystique. Il y a certains concerts, c'est. en plane. Et puis il y en a d'autres, ben, la grosse merde, on a envie de, de, de jeter tout le monde de la scène. Ça arrive. Premier gros concert de métal au Maroc, Creator. Ça c'était énorme, le premier. Même pour les métalleux, hein, les, les anciens. Je crois que tout le monde a retenu ce concert-là. Hein. Dans la foulée, Birdie Amnam, Nam, Aiton. -Nam, le Peuple de l'herbe, j'ai adoré aussi parce que musicalement, c'est hyper planant d'ailleurs. Après, il y a des, des concerts ratés, où il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est surtout les, il y a 2-3 ans, Didier Awadi, par exemple, le plus grand rappeur d'Afrique de l'Ouest, à mon avis. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Asian Debt Foundation, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et ça, c'est ça m'énerve moi. <laughs> ça me touche le moral. <laughs> On casse le moral de... J'étais fan de Asian Dev Foundation et j'ai mis des années pour les ramener. Quoi. Et je les ai ramenés. Ouais. <laughs> Il n'y avait pas beaucoup de monde. <laughs> ça énerve. <laughs> Mais bon, c'est pas grave. Hein. On s'est fait séquestrer par la sécurité une année, pendant jusqu'à 5 heures du matin, parce qu'ils voulaient te payer le jour même. Euh, donc du coup ils ont fermé toutes les portes, ils nous ont gardés en intérieur. On n'avait pas d'argent. On a appelé le trésorier. Gulina et Sofiane <laughs> sauve-nous, ou nez. Gulina. a nez. Je dis. Tard d'après soir. Sofiane, je dis. Non, Il a raccroché. C'est ce con. <laughs> Pour à la fin nous ramener des sacs de monnaie quoi. Que de la monnaie, que des pièces. Donc il fallait payer payer 150 gars ou la martèche non. Ah, des armoires à glace, des frigos.

Les, les problèmes de barrières, on en a souffert pendant des années, quoi, parce que justement, on en demandait 400, ils nous livraient 40 barrières. Et on avait deux sites, hein, je te rappelle à l'époque, on avait le RUC pour le tremplin, l'après-midi, et le, le COQ pour le boulevard, le, le soir. Et du coup, bah, c'était les mêmes barrières qui faisaient l'aller-retour entre eux. Donc on ne pouvait pas ouvrir, on attendait que ça se termine au, au RUC pour prendre les barrières. On envoyait tous les machines, tout le monde y allait, chacun prenait une barrière et on revenait en courant vers le COQ. Pour poser les barrières et après ouvrir la porte pour que les gens puissent entrer ce qui fait que bon ça se bouscule devant et que c'est pas bref <laughs> maintenant non ça y est c'est réglé on prend plus de barrières de chez eux <laughs> mais avant il n'y avait pas de crash barrière. on pouvait pas les louer donc il n'y avait que, que la ville qui pouvait nous donner des barrières et c'est ça qui est marrant parce qu'ils nous ont... ils nous aidaient pas ils ne nous donnaient pas de subvention et en plus même la ferraille ils, ils rechignaient à nous la filer alors qu'ils en avaient quoi mais bon ça s'est arrangé c'était tendu avec les, avec les flics, c'était 2004, 2005, 2006, 2007, je crois aussi. Les autorités sont fatiguées. Mais c'était tendu. Mais là, on, on est beaucoup plus calé aussi. Ça veut dire avant on savait que plus ou moins quand est-ce qu'on pouvait commencer, et on savait jamais quand est-ce que ça allait finir. Quoi. Donc, du coup, ben, on leur disait ça allait finir à minuit, ben, ça finit des fois à minuit et demi, à une heure. Euh, ça, ces problèmes-là, on les a réglés définitivement. Quoi. On a une équipe technique, un directeur technique, euh, des régisseurs, des régisseurs de scène, des régisseurs. Et ça, c'est. Avec des horaires de, de malades, ils sont réglés comme des, des horloges suisses, les mecs. Du coup, il y a ce rapport de confiance aussi avec les autorités qui s'est installé. C'est-à-dire, on déborde jamais. Des fois, même, on finit plus tôt que prévu. Les caprices de musiciens et de de de, de groupes, il y en a, il y en a un paquet aussi. Le, le groupe qui a refusé de prendre un avion piloté par un musulman, ces Américains, enfin Américains, ils sont d'origine euh, mexicaine, je crois. Joshua Bonatell, juste avant le, le, le festival, on, on leur a envoyé les billets d'avion, mais je, non non hors de question qu'on prenne. Hein c'était après le 11 septembre aussi, quelques années après, deux, trois ans après. Non, il y aura des questions. Comment dans un avion est piloté par un musulman <laughs> Tu veux dire Annulé. <laughs> Donc on les a annulés. On les a pas ramenés. Euh, de la Saul qui voulait pas monter sur scène parce qu'ils n'avaient pas leur bouteille de cognac dans la loge. C'était pareil. Et le pire, c'est qu'on l'avait acheté, mais on l'avait oublié. J'ai beaucoup le <laughs> chien, il l'a, la bouteille de cognac, celle de la sol. Il ne voulait pas monter, alors je suis descendu. You have vodka, you have the gin, you have... Now, cognac <laughs> C'était un sketch aussi. Après, ce qui est marrant aussi, c'est les groupes qui t'appellent. Je voudrais être invité au boulevard cette année. Il y en a plein aussi. Le problème, c'est qu'il y en a trop, même. c'est toi qui décides. Il a pas de soucis, c'est Christian Tu veux être invité, pas enfin, Bref, il y a de tout, il y a de tout. Mais c'est toujours marrant, c'est toujours marrant. On a à peu près en moyenne entre 120 et 150 maquettes sur tous styles confondus, d'accord Qui vont déposer pour le tremplin. Euh, sur les 150, on va en prendre 8 en hip-hop, 6 en rock, 6 en fusion, d'accord Donc ça nous fait 20 groupes euh, sur 150, d'accord bah, t'en as 130 qui vont t'insulter. Elle dit, mais d'office. Elle dit, bah, Allah, la sélection. Après, sur les, les, les 20 qui passent, il y en a 6 qui gagnent. Donc, t'en as 14 qui vont t'insulter encore plus. Et ça, on a l'habitude, de toute façon. Euh, je crois que les, les Marocains, en général, ont, ont un problème euh, historique avec les, les compétitions. C'est toujours. Euh, ils ont l'impression que c'est douteux. Même. dit, mais alors qu'il y a rien, on a un jury par style, on a un jury pour, le, pour le, la sélection, un jury pour le tremplin. Donc... Et personne du bureau ne fait partie du jury. Plus honnête que ça, il n'y a pas. Mais pourtant, en ils vont dire ouais, Les groupes, le jury, tel on les prévient, ils ne savent même pas qu'ils sont jury souvent. Et souvent, ils ne connaissent pas les groupes qui, qui ont déposé. Mais pourtant, au Fumptine, je vais trouver toujours quelqu'un qui va dire Ouais, dès qu'ils l'ont passé parce que c'est leur pote ou dès qu'ils l'ont passé parce qu'il a, il a payé les matchs mais bon, le harcèlement moral <laughs> des groupes est quelque chose qui m'accompagne depuis 20 ans. des coups de fil. Il y a, il y a, il y a les, les, bah, les groupes qui sont dans les petits pattes, là. Ils sont très motivés, les pauvres. Ils n'ont pas beaucoup de moyens et bon, on ne peut pas faire grand-chose pour eux là où ils sont. Quoi. Et, euh, et les Marocains de l'étranger aussi. Les beurs. Au moins, ils appellent, ils envoient des mails. Au moins, c'est du harcèlement. Et le, le pire, c'est que des fois, il y en a certains, ils, te, ils, 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 ils demandent à jouer au boulevard, mais comme si c'était un droit. Oh. Il faut nous programmer, nous, Marocains de l'étranger. oh, il y a des Marocains du Maroc. Il faut a des choses Et ça, mais pff, après, il y a tous les pays arabes. On reçoit des demandes de, de, de Jordanie, du Liban, d'Égypte. Plus maintenant, on travaille beaucoup avec l'Afrique aussi. Donc, on reçoit pas mal de trucs d'Afrique. 2003, c'était peut-être l'une des pires années, en même temps, c'était l'une des plus belles. La programmation, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Oba, il y avait Draga, je crois, et, et Abaraz. C'était le yo-yo émotionnel. On peut vraiment parler de yo yo émotionnel. Je suis de Drey, de Tfargos, le boulevard, la blé. En plus, il y avait une sale pression. Les flics, ils avaient peur. Hein, parce que, bon, après les attentats, tu, y avait, y a, tout le monde pensait que les festivals allaient être annulés. Après, nous avons eu ma voisine. Il y avait une 15 jours avant. Et donc, on a tout le monde attendu ma voisine. S'il si y a ma voisine, c'est cool. S'il si n'y a pas ma voisine, s'il si est annulé, ça veut dire que c'est très grave. Et du coup, bah, on a surveillé ma voisine. Et ma voisine a démarré. Et du coup, bah, on s'est dit, c'est cool. C'est là qu'on m'a convoqué aussi, à la oui, d'ailleurs. Galia, on aimerait bien que vous annuliez et que ça vienne de vous. <laughs> on n'annule pas. Ça ne viendra pas de moi. Vous pouvez nous interdire si vous voulez, mais. On s'est bien marré quand même. <laughs> 20 ans de rigolade, <laughs> bon, ça va. Non, non, je crois qu'il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. j'ai jamais rien calculé en même temps. J'aurais pu prendre un parcours tout à fait autre, ce pas un problème. Mais dans tout ce que j'ai fait là, c'est des, des coups de chance, du, du destin, de je ne sais pas quoi. Mais, mais ça, ça arrivait de. C'est comme ça, qui me jette quand il est offert, ça fait de toute façon. Donc, je crois que c'est surtout ça. Mais il ah, bah, je vois pas ce que j'aurais pu changer quoi. Je m'amuse bien ça va, quoi. On est encore là donc euh, on va s'amuser encore un peu.